Qu'y a-t-il de plus mélodieux qu'un moteur flat 6 Porsche? Bonjour à tous, bienvenue sur le Nürburgring pour ce nouvel épisode de Track Day. Aujourd'hui, on s'attaque à une voiture qui fête ses 10 ans. En tout cas, ce modèle-ci en particulier, la Porsche 996 Cup, la 911 évidemment, qui arrive dans cette livrée tirée de l'IMSA et qui est assez impressionnante. On en avait quelques-unes disponibles dans Forza à l'époque. Et ça a rappelé de bons souvenirs de piloter cette voiture qui paraît assez haute, en tout cas au niveau de sa garde au sol. Ça m'a un petit peu surpris sur certains plans. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, cette voiture fait plaisir à entendre et plaisir à voir. Elle est parfaite. Réalisation impeccable. Pas de soucis, pas de problème de technique, de 3D. Un son correct, une boîte parfaite, un pied monumental sans assistance, cette voiture à piloter, vous êtes à la dérive dans certains enchaînements, et ce mode est bien sûr gratuit et disponible dans la description, inutile de le rappeler, mais là on a vraiment touché à un point sensible de tout fan de compétition automobile avec cette Porsche 996 Cup, hein, qui a participé à plein d'événements, des championnats américains, les 24 heures de Spa également, vous vous en rappelez, hein, cette voiture qui en 2003 remportait les 24 heures sous une pluie torrentielle au volant, eh bien il y avait notamment Stéphane Ortelli, que vous connaissez bien si vous suivez l'endurance, et voilà, ce sont des modèles comme ça qui parfois ravivent de bons souvenirs, et je vous laisse tout simplement profiter de cette voiture et de son puissant moteur flat 6, 3 litres 6, qui envoie du très très lourd. Montez le son les amis, c'est du pur bonheur.